J'ai 23 ans et je suis malade. Ça fait maintenant 5 ans que je vis avec ce qu'on appelle la boulimie. Chez moi, ça se caractérise par des crises pendant lesquelles je mange une grande quantité de nourriture en un court laps de temps. À cause de cela, je m'isole par peur du regard des autres. J'ai honte. Dans ces moments-là, la nourriture est mon seul refuge. Plus jeune, j'attendais que mes parents partent au travail pour aller me servir dans le frigo. Je mange de grandes quantités, de tout et n'importe quoi. Je n'ai même pas faim. Je ne connais même plus la notion de plaisir. Je ne fais pas ça pour me nourrir, mais juste pour me remplir. Ce sont des crises incontrôlables. Je mange très rapidement, sans pouvoir m'arrêter. Quand ça s'arrête, la plupart du temps je suis dégoûté de moi. Alors, je compense. Je souffre d'anorexie. Mon poids est une constante obsession. J'ai peur de prendre des kilos et de déformer mon corps. Je sens le regard des gens et je me compare constamment aux autres. Je m'imagine mon prochain repas et ça m'angoisse déjà. Mon entourage s'inquiète pour moi. Je mens à tout le monde. Je trouve des excuses pour éviter de manger. Je me coupe de mon cercle amical et familial. Manger, c'est calculer. Les autres perçoivent des saveurs, des couleurs et des odeurs. Mais moi, je vois des chiffres en plus sur la balance, du gras sur mes hanches, et ça me fait peur. Je pense pouvoir contrôler mon trouble. Mais c'est lui qui me contrôle.